Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. N'oubliez pas que Scott est encore vivant dans votre... Voilà, continuez à sortir, bande d'abrutis. Voilà, ça fait qu'augmenter ici en Belgique. Bah ouais, on sort, on fait la fête, on va dans des cafés, on fait des soirées privées, bah bien sûr. Voilà. Voilà. On sera parti jusqu'au juin comme ça. Bon allez, c'est parti pour le séchage. Ça c'est le truc que je déteste le plus, c'est sécher mes cheveux, ça prend tellement de temps. Donc là du coup j'ai encore utilisé ma gamme aloe vera. En plus j'ai plus de shampoing à l'argan. Du coup il faudra que j'en reprenne parce que j'en ai plus du tout. La kératine non plus. Là il me reste quoi? Il me reste aloe vera. Figue, attendez, je regarde. Aloe vera, figue, il me reste la collagène, voilà, et il me reste la gamme coco. Voilà, j'ai aussi la silver pour les blondes, mais comme je suis plus blonde, ben, du coup, je ne sais plus l'utiliser. Mais et là, franchement, l'aloe vera, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite ici j'ai tous les soins sans rinçage, voilà ça c'est vraiment bien, l'esprit express, si vous n'avez pas le temps vous pouvez vite faire un petit soin sans rinçage, ça va vous permettre de, d'avoir plus facile à démêler vos cheveux, de les rendre plus brillants aussi et puis de faire un soin c'est toujours bien. Donc voilà ça ce sont vraiment des soins sans rinçage que vous pouvez faire assez rapidement quand vous n'avez pas le temps. Voilà donc du coup avant mon séchage je vais mettre un petit peu de sérum, donc toujours de la gamme aloe vera. Donc voilà, je mets deux petites pressions sur les longueurs et les pointes. Ça, ça va faciliter le coiffage. Et ça va en plus de ça encore hydrater vos cheveux. Pas en mettre en racine, sinon vos cheveux vont graisser. Voilà. Et c'est parti pour le séchage. Les nœuds. Voilà. Et voilà les filles, mes cheveux sont donc secs. Maintenant je vais passer donc au lissage, je vais les lisser un peu. Par contre je sais pas si vous avez le steam ball à la maison, niveau lissage c'est top, mais par contre le câble est trop chiant, il se retourne tout le temps. Moi la plupart du temps, donc ça je le mets ici sur mon évier, ça se retourne, ça se barre, ça tombe, il y a de l'eau partout, donc franchement je trouve que c'est vraiment pas pratique. Je sais qu'ils en ont sorti de nouveau, je sais pas si vous l'avez à la maison, s'il est plus pratique, si le fil se tourne moins, mais franchement moi ça me saoule quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez un autre lisseur à proposer avec des câbles plus pratiques, mais celui-là il me casse la tête, c'est abusé. Enfin voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que franchement je suis à bout, je me suis lissé les cheveux il y a deux jours, il y a tout qui s'est barré, aujourd'hui je vois qu'il y a encore plein de nœuds alors que je retire les nœuds tout le temps, donc je sais pas, je comprends pas. Enfin, bon là donc maintenant je vais les lisser. Voilà, donc du coup je viens de terminer de me lisser les cheveux. Du coup le séchage ça prend du temps, mais ce qui est bien c'est que le lissage ça va assez rapidement. Donc voilà, là j'ai utilisé la gamme aloe vera, comme depuis quelques temps maintenant que je l'ai reçue, je l'utilise tout le temps. Donc j'insiste vraiment sur la brillance des shampoings Niki, parce qu'ils sont vraiment bien par rapport à la brillance. En plus ils sentent super bon, mes cheveux sont tout doux. Enfin voilà, je suis vraiment hyper contente. Je vais vous mettre juste après une petite photo avec le descriptif donc de la gamme aloe vera, comme ça je vous l'écris. Ça, c'est plus facile et puis ben, du coup vous pouvez faire un screenshot, comme ça vous avez vraiment tout en détail.
Voilà les filles. Et donc je vous mets aussi mon code promo qui est de moins 50%. Regardez comme ils sont hyper brillants. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment la migraine toute la journée. Je vous jure, là, j'ai encore un petit peu mal à la tête. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui fait souvent des migraines. D'ailleurs, là, je vais faire une IRM le 11 juin. Je n'avais pas rendez-vous avant. Mais voilà, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de migraines. On m'avait déjà dit que c'était peut-être des migraines ophtalmiques. J'avais été voir un ophtalmologue parce que je pensais peut-être que c'était à cause de mes yeux. Je n'ai pas de problème aux yeux. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu parce que quand j'ai des migraines, ça dure pendant plusieurs jours. En plus, j'ai comme un voile qui se met devant mes yeux. Je vois flou. Donc voilà, c'est un peu flippant. Donc j'attends que l'IRM se fasse. S'il y a une disponibilité avant, je vais pouvoir aller avant, je l'espère. Mais voilà quoi, donc du coup y a pas de stress avec genre coronavirus et tout, c'est juste que ben, je fais tout le temps des migraines et c'est horrible quoi.